ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Paul Mansa Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Maître Diès, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Avec les questions. Monsieur Paul. Président, maître. On avait parlé de votre procès verbal d'interrogatoire. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais cette fois-ci vous parler de certains PV d'audition de partie civile. Il y a plusieurs parties civiles qui ont été torturées à Kundara, actuel Kamakambo. Je voudrais lire certains passages et voir comment vous allez réagir. Il s'agit du procès verbal de M. Mamad Lamine Sall. Il est daté du 13 février 2013. À la deuxième page. C'est écrit « Tous les jours, sergent Paul venait nous menacer avec sa bière en main de nous tuer ou en nous qualifiant de rebelles. » Est-ce que vous avez tenu ce genre de propos à l'endroit des personnes qui étaient torturées au camp Makambo? Anamba wongafa, M. Salra Kedi ma. Naga Kedi, ahoui mameni, anaga l'air bring. Monsieur Paul nous famane a fait magaro fa fala fe wotan rebelle nana wora ndamula fala oui. Moi je l'ai toi dit. Très bien, très bien. Ces partis civils viendront à cette barre pour réitérer leurs propos. Je poursuis. À la troisième page, je ne vais pas lire beaucoup d'extraits parce que visiblement vous êtes dans la dénégation systématique. Bien. À la troisième page, je précise que mon ami pour lequel nous nous sommes rendus au camp Kundara avait en réalité trouvé la mort au stade. C'est-à-dire que, après avoir commis les massacres au stade, certains militaires ont pris les téléphones des victimes et les ont conservés. Les familles en quête d'informations appelaient ces numéros pour justement se renseigner, pour savoir est-ce que leurs parents, leurs proches sont morts ou sont en détention. Voilà comment vous avez attiré M. Sall au camp Makambo. Il a appelé le numéro de téléphone du défunt. Vous lui avez dit que son proche était au camp Kundara. Oui ou non? Anara, Aba Mirinde no Faramane Kundara. Ara Mirene Kili. Awa Wosal Mabendung Rimeni Kinere. Ara Mirine Ram Sendera Nanan Kili. Itanara Falabe Ana Kundara. Arana Kinara. Non, très moi bien. Je ne l'ai pas dit. Je précise que Monsieur Sall continue. Je précise que mon ami pour lequel nous nous sommes rendus au camp Kundara avait déjà en réalité trouvé la mort au stade. Il s'appelait Mamadou Korkaba et son corps n'a jamais été retrouvé. Je connais pas ça. Il poursuit. Sur SIR, on nous avait attiré vers le camp Kundara dans le but de nous faire payer de l'argent. Et Mouma Bendongone camp Kundara, ala kwe rasa kwabi di bangoyi. Ah, namoula ba ontanya oridi. C'est pas passé devant moi. Est-ce que, à l'issue de ces tortures, vous n'avez pas réclamé de l'argent aux familles de vos victimes? Na torture rambi, est-ce que womu kwabi di makheli, namire ra amire manu? Ta na détenu na ribiru nanamani. Depuis Nagueli Soto, Nangletiri, les détenus qui étaient là-bas, depuis que j'ai eu la prison à cause d'un détenu, je me suis retiré de tout. Il y a plusieurs autres que je ne vais pas, ce n'est pas la peine de lire les PV parce que la réponse est déjà connue. Répondant à une question du président et je pense du ministère public, vous avez dit que vous étiez connu, raison pour laquelle ces victimes-là ont connu votre nom. Est-ce que vous maintenez? Président Gaye Abi, à nous procureur ma Rwanda Abi, il n'a rien au colonne, ananara aïe bien biri chili colonne. Effectivement. Nakinala. Oui, c'est ça.
Est-ce que vous savez, à part le fait que vos collègues vous appelaient par votre prénom quand vous étiez en train de les torturer, il y avait également votre nom sur un tableau d'affichage avec tous vos complices. Est-ce que vous savez? Je connais pas ça. Est-ce que vous savez que c'est à travers un reportage du RTG que votre nom et votre téléphone ont été identifiés? Ah, RTG a reportage de Nara. Il y a un téléphone numéro de Nara. C'est pas moi. C'est à travers ça, je vous apprends, c'est à travers ça que vous avez été pisté pendant plusieurs mois avant de vous retrouver dans caché à Madina. Nara, aïe, fin nanama. Han ki kegbegbe dangire fa sen ngongi to Madina. Ndamuna ngongi Madina di. Moi je me suis pas caché à Madina. Monsieur le président, pour le moment j'en ai terminé. Je voudrais vous remercier ainsi qu'à vos honorables et vos honorables assesseurs. Merci. Merci monsieur le président de m'avoir passé la parole. Monsieur Paul. Maître. Vous avez déclaré à cette barre que le colonel Begré était le commandant du camp Makambo. Vous le confirmez? Oui. A commandant Begré, attendant commandant Nakambo Aro, c'est moi qui l'ai dit. Qui était son adjoint? Je ne me souviens pas de son nom. Est-ce que son adjoint aussi participait à ces tortures? Ah, adjoint va nous torturer Rabama. Commandant n'a adjoint Amara. Le commandant est toujours avec son adjoint. D'accord. Étant sentinelle, vous avez vu combien de véhicules dans lesquels se trouvaient les manifestants? Meni iwoto yerito manifestant na nakekui. Ntana vola migina doni so migina yira naki. Ni nan fa depuis ne fa. La personne pour laquelle j'ai été sanctionné, celui à qui j'ai offert le beurre de karité, depuis ça, je me suis retiré de leur affaire. Il a affirmé à cette barre qu'il était sentinelle. Je faisais le sentinelle. Voilà. Donc, combien de véhicules aviez-vous vu passer là-bas? Transportant les manifestants. A manifesté dans un cui. Pick-up, il faut pick-up qui est dans cui. C'était dans un pick-up. Il faut pick-up qui est dans cui. Ces manifestants étaient au nombre de combien? Manifestants hier n'a. Oh, à peu près. Non, ma valeur est 8, 10 en 10 n'a qui tout. 8, 10 comme ça, hein. Ah. Oui. D'accord. Ce véhicule était immatriculé RC VA ou AG. Numéro mununama RT VA munsen sebera na nombara. Le pick-up de Tambi na CND de plaque munasema. Le pick-up de CND n'était pas immatriculé, hein. D'accord. Au moment où les manifestants étaient au camp. Vous n'aviez pas reçu la visite des militaires d'autres camps? A manifesté tout na kankui. Sorry moufé fora nanu. Mou sorry tout fora nanu. Moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Est-ce que vous connaissez certains éléments de la garde présidentielle? Ah, la garde présidentielle mérinde kolo. Garde présidentielle mérinde akbubinana ma promotionnera. Beaucoup sont mes promotionnaires. Est-ce qu'il fréquentait le camp Makambo? Ah, non, c'est le camp Makambo. Adi. Non. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, vous avez déclaré que vous étiez en service à Kankan. Vous le confirmez aussi? Il y a un procès, il y a un service à Kankan. Je n'ai pas dit que j'étais en service à Kankan. J'étais parti récupérer mon CCP à Kankan. Vous aviez encore poursuivi en disant que le 20 septembre, après avoir subi un accident, vous étiez venu à Conakry pour vous faire traiter.
Oui ou non? Le 20 septembre, il y a un accident là-bas. Il y a un accident là-bas. Il y a un accident. Je suis venu à Conakry, le septembre n'était même pas arrivé. Voilà, on va en 2 mois après septembre. 2 mois après septembre. Voilà, on va se casser non, ma CCP fera bouger, on a bougé d'un face à Cancan. Et je me suis retourné pour aller trouver, récupérer mon CCP à Cancan. Donc Cancan m'a sorti une position à moi. Je suis arrivé à Cancan dans ces conditions-là. D'accord. Vous étiez quand même venu à Conakry dans le cadre d'un traitement, non? Il faut à Conakry, tu es dans Dandine. Oui, oui. Oui. D'accord. Pourquoi après ce traitement, vous n'aviez pas rejoint Cancan, votre lieu de service? Mounsa Raito, tu es dans Dandine, Moukbiling, et Waldi Cancan. Parce que le CNDD, unité bilin en femme. Bon, vous savez, le CNDD, c'est toutes les unités qui viennent. Unité différence, bilin en femme. C'est tout le monde. Voilà, en finissant à Guéraï Walina, en finissant à Guéraï Bilera. Celui qui a la chance de travailler là-bas, il travaille. Celui qui n'a pas la chance, il se retourne à son unité d'origine. Alors, par quelle prouesse vous vous étiez retrouvé au camp Makambo et quelles étaient vos missions? Ah, il était au camp Makambo. Il était au camp Makambo. Décidé, j'ai pas de travail à Makambo. C'est moi qui ai décidé que je vais travailler à Makambo. Monsieur Paul Mansagi Lavogué, est-ce que dans le règlement militaire, la possibilité est donnée à un militaire de servir dans un camp où il n'est pas officiellement muté? Anara, sorry tamasari yakui, miri no masigadie yide, itam walina, afasali mouira sambarena. Et donc, il a affecté des par intérim. On peut être affecté par intérim. Mais vous n'avez jamais été affecté. Mais êtes-vous affecté dans le Rokiri? Non, je suis affecté. Je voudrais travailler là-bas et que je sois affecté là-bas. C'est pour cela qu'on m'a demandé d'aller chercher mon papier. Quels étaient vos rapports avec le commandant Begré? Quel Begré t'a dit Nadi? Rapport où vous n'avez Begré t'a dit? J'avais rien. Faut mouton mon lama. Sauf on ne s'entendait pas. Pourquoi? Monsara, moi et Begré, mon verbe qui est conjugué. Je ne conjugue pas le même verbe avec Begré. Pourquoi? Monsara, à intention naira. C'est à cause de son intention. Quelle intention, monsieur? Intention moderne. Elle est brutaliste. C'est que affaiblir brigand d'Arinara. Il est trop. Tout ce qu'il fait, c'est brigand, quoi. Voilà. Vous aviez également déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur que le commandant Begré donnait des ordres à des militaires, dont entre autres Agidan Jo, Ali Akuruma, Ngefi, Bala Keta, pour torturer les personnes enlevées, détenues et séquestrées. Ah, il fallait que le commandant Jo, Ali Akéta, Anoum Bala, Begré nous, né à Mormane, Ramiré, Nyaran Katéré, torturé. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Quel était le rôle que vous aviez personnellement joué dans cette affaire? Bah, étant mon seraba, il fait birinkui, il fait quoi? Étant mon seraba. Étant notre rôle qui est dans le jeu de Afinimbanya Rinana, depuis là-bas, on va en retirer. L'unique rôle que j'ai joué, ça a été très mauvais pour moi. Depuis ça, je me suis retiré. Monsieur Paul Mansagi Lavogué. Vous aviez quel intérêt à rester au camp Makambo sans rejoindre votre poste d'affectation? Natire mundu netambe rasa camp Makambo ititondigbilende inu sadena rande. Mutondigbilende rade ntana décidé na ngaluna. Nanana sika masisipe fora. J'ai pas refusé de me retourner, c'est moi qui ai décidé de rester là-bas. C'est pour cela que je suis parti chercher mon CCP. Donc là, dans l'armée ça c'est possible. Na laba masoria nya. Monsieur. Quoi? Ah, le fait d'abandonner son poste d'affectation pour aller se retrouver ailleurs. Moi, affecté. Moi, j'ai pas été affecté. Nous avons un papier d'évacuation. Je suis venu avec un papier d'évacuation. Voilà. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, vous avez affirmé que c'est le commandant Isiaga qui vous a fait venir au camp Makambo et par la suite il a voulu vous faire partir de là. Pourquoi il a voulu vous faire partir de là? Inara, era kedima, a commandant Isiaga nam ferana. Amam fawe bafina.
Ishaga umfantana makambodi. C'est pas Ishaga qui m'a envoyé à Makambodi. C'est vous qui l'avez dit hein, dans votre procès verbal d'interrogatoire. Il a procès verbal mameni. Ntaine mburi Alassane Ba. J'ai dit que c'est mon ami Alassane Ba. Voilà. Ntaine Alassane Ba m'a fala dit. Moi j'ai dit bien dit c'est Alassane Ba. Voilà. Vous avez poursuivi en disant que malgré la volonté d'Isiaga de vous faire partir du camp Makambo, que vous aviez été retenu par Makambo. Dont vous parlez là-bas, là, je n'ai même pas de relation avec Makambo. Est-ce que vous n'étiez pas son... Est-ce que vous n'étiez pas son bras armé? Est-ce que je n'ai travaillé derrière personne au CNDD. Personne. Quelle est la mission que Makambo vous a confiée en vous retenant au camp? Makambo m'a rien confié. Comme vous confirmez dans votre procès verbal qu'il y avait eu des tortures en votre présence au camp. Parmi eux, est-ce que vous aviez remonté cette information au chef? Anara, ben anara torture raba ne kankui. Et ton torture raba, est-ce que ifan imangandira kolune anara? Mo mangera kolune anara. Parce que là mo mangera na kolou, nana na tête. Donc je ne peux pas rendre compte à un chef. Le chef à qui je dois rendre compte, c'est lui qui était en tête. Ah donc c'est lui qui était en tête. Ah, c'est Begré qui commandait Makambo. C'est Begré qui commandait Makambo. Okay. Vous étiez en service à Kankan au moment des faits. Le 28 septembre, qui m'a trouvé à Kankan. Le 5. J'ai quitté ici le 5. Allez chercher mon papier pour que je sois confirmé. Voilà. Alors pourquoi vous aviez déclaré dans votre procès verbal que vous aviez quitté là-bas un peu plus tôt pour Conakry? Un peu plus tôt, par rapport à quoi? Par rapport au massacre du 28 septembre. Je ne peux pas parler de cela, ça ne s'est pas passé devant moi. Est-ce que vous n'étiez pas venu uniquement porter main forte à la garde présidentielle pour la conservation du pouvoir par le président Moussa Dadis-Camara? Je ne suis pas venu pour l'esprit là. Moi j'étais venu dans le cadre de la promotion. Dans l'armée, c'est comme ça on gagne une promotion. Ah, promotion, c'est maintenant qu'il est l'armée. Promotion, c'est mal. En se promenant de camp. Une manière de camp. Attends, Adi. Non. D'accord. Vous aviez dit également dans votre procès verbal d'interrogatoire au fond, c'est qui suit. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Il n'a pas posé verbal qui mon numéro est le mané sougera par chef barré à mori mon nom à mori matin d'idée on a fait guérir un jour mon Begré Tagui. C'est là bas où je ne suis pas d'accord avec Begré. Cela voudrait dire alors que vous aviez torturé les manifestants sur ordre de votre chef Begré. Nana qui est manifesté torturé les Begré toi fallait bien à chafoulé à safourla. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre approximatif des manifestants enlevés et conduits au camp Makambo? Le pick-up est rentré devant moi, mais il n'est pas sorti devant moi. Voilà.
Voilà. C'est mes amis qui ont dit que les autres sont partis en mission. Et je suis resté à la porte. À leur retour, il y avait combien de manifestants? C'est manifestants, il y en a à peu près 8. Bon, on en a somme en tout cas, un des deux bouts. Bon, c'était un peu nombré, 8 environ. Ces manifestants avaient fait combien de temps sous les tortures? Les manifestants étaient torturés dans la rue, dans la rue. Je ne peux pas dire ça. Parmi eux, il y avait combien de femmes? Ce jour-là, pas de femmes. Parmi eux. Ce jour-là. Ah, oui. D'accord. Les femmes qui étaient au camp Makambo étaient-elles isolées des hommes ou ils partageaient les mêmes locaux? Ah, Guinée-Narena. Et nous ramènons à l'ingira Kerenkuika et la Fatangane. Le petit temps que j'ai fait là-bas, les femmes ne sont pas parties devant moi là-bas. Voilà. À lire toujours votre procès verbal d'interrogatoire, on s'aperçoit aisément que vous avez assisté à tout bout de champ à tout ce qui s'était passé au camp Makambo. Ce qui s'est passé à Makambo, devant moi, c'est ce que je viens de vous expliquer comme ça. Alors, vous pouvez nous décrire les scènes de torture subies par les manifestants? Et nous manifester, Avant ce que je vous manque. Mais vous étiez au camp. Mais nous n'avons qu'un coup. Donc, j'étais au camp, mais quand on envoie les manifestants là, moi je ne m'approche pas, je viens à la porte direct. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des cas de viol? Est-ce qu'il y a eu violé en votre présence? Devant moi, non. Vous avez dit dans votre procès verbal qu'il y avait même eu des tortures tard la nuit. Il n'a pas procès verbal et nous m'aurait torturé ma quetilingriatira. Moi je n'ai dit ça à personne. Ah bon? Et pourtant vous l'aviez dit hein, devant le magistrat instructeur. Ah non, il fallait que qui est sous serment d'ailleurs. Juge ya khori, juge na na kinara kalirine. Nta fallait que mangak bilama. Je l'ai dit, je reprends encore. J'ai dit que toute la torture là-bas, ce n'était pas une autre personne, c'est Bégré. Je l'ai dit et ça, je le réitère. Voilà. Ah, comme Bégré est mort maintenant. Même s'il n'était pas mort, s'il était là lui-même, il allait le confirmer. D'accord. Je poursuis. Vous aviez parlé d'une femme qui était avec vous au camp Makambo, surnommée Tata, actuellement en service généraux. Est-ce qu'elle faisait aussi partie des personnes qui torturaient les manifestants? Est-ce qu'elle fait numéro torturé? On a Tata na qui? Cette Tata dont vous parlez comme ça là. Tata mo biko kulu Makambo antana kulu presque. Antana kulu melni. Tata mo biri amigo kulu antana. Elle ne connaît personne, c'est moi qu'elle connaît là-bas. Voilà. C'est moi qui l'ai aidé, elle est venue, elle est devenue planton de Bégré. Voilà. Tata Yati, lui aussi, Bégré noir, mais le fan Yati, ça fait guéli. N'action qui n'a fait là. Tata même, Bégré a voulu l'emprisonner à cause de ce problème-là. Dès qu'on envoie les gens là-bas pour torturer, celle-là monte à l'étage et commence à pleurer. Elle ne pouvait pas supporter. D'accord. Parmi les femmes enlevées, détenues, séquestrées au camp Makambo, vous avez entretenu des relations avec combien? Guinée n'a rien à camp Makambo. Où nous Guinée yeri nous nous sommes Moi, je suis marié. Je n'ai pas de rapport avec les femmes là-bas. Hein. Je suis marié.
Vous avez dit à cette barre que vous étiez craint au même titre que Bégré. Les gens n'ont pas peur de moi, mais j'avais un renommé. Est-ce que ces femmes avaient été libérées après? Est-ce que ces femmes avaient été libérées après? Ana Guinée na resu na ka re ni rabuluna. Dawe biri sigamana biri esse mulumana. Toutes les personnes qui vont là-bas, ils ne restent pas là-bas. Esse mulumana. Personne ne reste là-bas. Où avait-elle succombé suite à ces tortures? Kande ndefanyan la ramen ndefan lumana na. E ramire na famille fora. Ce sont les parents qui viennent les chercher. Ils remontent dans le bureau là-bas, ils se voient avec Bégré. Bon, moi, je les vois dans le véhicule, ils sortent. C'est fini. D'accord. Dans votre déclaration consignée dans votre procès verbal, vous aviez déclaré ce qui suit. Si j'avais aujourd'hui la possibilité, j'aurais fait du mal à Khalifa Diallo. Affaire en ambe nous fait ñaari da ba mené kel faranu ndamuro mom mal souhaité de mourir adama dibé. Je ne peux pas souhaiter du mal à mon prochain. A quel fois tambara mal souhaité mbembar mal soto ala kitinara. Si Khalifa lui il a infligé, j'ai eu des mal, je donne ça à Dieu, c'est Dieu qui va juger. Muno mo way falada ruma na mura bara muna na bara na mura kitinari gaba muna raba. Je peux pas l'accuser de quelque chose, ce dont il n'a pas fait, pour avoir faire le jugement demain, le jour de la résurrection. Vous avez également déclaré ce qui suit. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout se passait à ma présence. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme ça. Je confirme. D'accord. Donc vous tirez alors plaisir, votre plaisir des cris de détresse des femmes enlevées, torturées et violées. C'est Dieu qui connaît ça. Parce que vous étiez là-bas. Parce que j'étais là-bas. Ce que j'ai pu faire, j'ai eu des problèmes. Depuis ça, je me suis retiré. Quels étaient les objets utilisés pour ces tortures? Et nous, ces modèles, nous devons me torturer, mon cesser, amen. C'est un caoutchouc. C'était pas le fer, hein. C'est le caoutchouc qu'ils avaient là-bas. Uh-huh. J'ai pas compris. Il dit que c'est le caoutchouc qu'on utilisait, ce n'est pas le fer. D'accord. Pourquoi vous aviez déclaré à la cinquième page de votre procès verbal que c'est Touba qui commandait le camp Makambo? Il a dit, je n'ai pas échangé avec quelqu'un. Et Touba c'est Bégré. Quand on m'a demandé qui commande Makambo, je l'ai dit, c'est Bégré. Voilà. Est-ce que vous connaissez M. Cécile Raphaël Haba? Cécile Raphaël Haba, Cécile Raphaël Haba, c'est mon ami. C'est mon ami. Il a affirmé à cette barre que c'est lui qui avait secouru le président Moussa Dadis Camara lorsque le commandant Boubacar Sidiki Diakité, alias Touba, avait tiré sur lui. Attendant, Moussa Dadis Camara Mali a. Commandant Touba toi bon. Ah, flag qu'il a la barre n'a qu'une. La manière dont il a dit ça s'est passé comme ça. Alors pourquoi dans votre procès verbal vous aviez également déclaré que c'était vous et un certain Bouba? Procès verbal mais il n'a pas Bouba qu'il est. Entre les deux versions, laquelle est vraie? Gifirini, moi mon nom non dira. N'a pas la fille. Pourquoi je le dis? Parce qu'Alkongan Niratanga. Ça, c'était pour me faire sauver l'âme. Sinon, action Murabanyawori est en train de se briser, faga partine. Sinon, l'action s'est même pas passé devant moi. C'est vers Birfaga que moi j'ai été arrêté. Voilà. Mana wa Birman fala Birfaga mena mbombo filer na re. C'est à Birfaga là-bas, au moment où on me frappait, j'ai fait toutes ces déclarations là-bas en ce moment. C'est pour cela qu'ils ont cessé de me frapper et m'ont fait monter dans le véhicule.
Vous avez également déclaré dans votre procès verbal ce qui suit. Quand je suis venu au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus. Il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Selon ce qui m'a été rapporté. Pouviez-vous nous donner alors les noms de vos informateurs? Il n'a rien trouvé au camp Makambo. Il m'a indiqué ma sembénende. Il n'a rien dans ce stade. Amiri n'a rien à faire. Ben, après non, mais il faut l'aider. Amiri n'a rien à faire. Ben, amiri n'a rien sur stade, ma. Dans mon stade, fait coulon. Moi, je ne connais pas l'affaire de stade. Le 3 décembre, moi je peux parler que du 3 décembre. Voilà. Je peux expliquer. Tout ce qui s'est passé là-bas, je peux étudier ce parcours-là. Monsieur Guilavogui, maître, vous n'avez pas compris ma question. Je disais, dans votre procès verbal, vous avez également déclaré ce qui suit. Quand je suis venu au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus. Il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Ntofa kam makambo ngile mane linene na falambe ene na sur stade 28 septembre. Balana na falambe na dera. C'est Bala qui m'a dit ça à la porte. Nsofile na re. En rentrant. D'accord. Qui vous a également donné l'information selon laquelle le commandant Toumba était au stade? Ndema ndafalebe a commandant Toumba na stade. Je n'ai pas échangé avec quelqu'un pour l'affaire de stade. Hein. C'est également consigné dans votre procès verbal. Est-ce que les corps des manifestants enlevés, séquestrés, torturés avaient été restitués à leur famille? Mais il y a des tongo manifestés, il y a des bombes, il y a des nyarankali, il y a des fara. Et fouler avec Bilene et Mirema. Fouler avec la main. À moins que je ne mens. Vous, qu'est-ce que vous aviez fait personnellement, monsieur Guilavogui? Ce dont moi j'ai pu faire, c'est ce que je viens d'expliquer là. Comme vous savez maintenant que le colonel, le commandant Begré est décédé, vous voulez le rendre responsable de tout ce qui s'était passé au stade, oui ou non? Bah, ou bara colonel Begré bara faka nana fait na hambi ndangi woma wa dabere du sufa kirenko. Mais fure wule musa ma fure woma di. On ne peut pas accuser un défunt. Hein? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Non, ce qui s'est passé, c'est ce que je dis. Vous avez également affirmé à cette barre que le subordonné est tenu d'exécuter l'ordre de son chef. Oui. Quel est alors l'ordre que vous avez personnellement reçu de Begré lors de ces manifestations? Begré est un yamor munsera. Yamor mundunsu est un yire araba. Begré mou yamor yosun tan yire araba. Begré m'a ordonné de faire rien. Nta erreur kere na nabari. L'unique erreur que j'ai fait. A ton récompense pour m'enfana magbilen febilun. Quand il m'a récompensé de cette erreur là, je me suis écarté complètement. Ali détenu fana mouma sou manara ngay mounama. Même si on envoie les détenus là-bas, je ne m'approche pas là-bas, je n'ai pas besoin d'eux là-bas. Je ne demande même pas à quelqu'un. D'accord. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Samba Badi, il est dit ceci. Aussitôt en compagnie de mon frère, sur une moto, nous sommes rendus au camp Koundara, où nous avons été mis en état d'arrestation pour subir des sévices et tortures tout en versant de l'eau chaude et passer la moto sur la cuisse. Les traces en font foi. Durant les 5 jours de détention, comme déjeuner, on recevait 50 coups de matraque, matin et soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Nous avons tous les moto varié, nous avons tous les gars. Et nous avons tous les gars, nous avons tous ngoi xizol vele na naba gesega yo gesega ayatungo suli itamuse falare
C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il poursuit. Je porte plainte contre les bérets rouges du camp Koundara, à l'occurrence Begri, Sergent, Paul et tant d'autres. Abara Abawa, guerre contre Begri, Paul, Anoumbete. Étant un élément de ce camp, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Étant Tofana, Nakan Nankui, Monsieur Falavanakui. Ah, Ravangatu. Il n'a qu'à venir jouer le roi. Les victimes vont comparaître. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Et pour votre information. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Mamadou Lamine Sall, il est également mentionné ce qui suit. À notre arrivée au camp, nous avons trouvé un monsieur du nom de Tanene et le lieutenant Barry lui avait posé le problème de mon ami. Quand ce dernier nous a aperçus, il nous a fait descendre du véhicule et nous mettre aux arrêts, tout en prenant soin de nous déposséder de tous nos biens. Téléphone. C'est Tanene qui a fait ça. Vous le confirmez? C'est pas fait devant moi. Mais vous venez de dire que c'est Tanene qui avait fait ça, ou bien? Comme Tanene n'a pas avalé la gourou tout qui. C'est comme c'est Tanene qui déclare qu'il a fait descendre les gens là-bas dans la voiture. Je poursuis. Durant ma semaine de détention, on mangeait une fois par jour et on nous bastonnait tous les jours. Ce n'est pas vrai ça. Je poursuis toujours avec le procès verbal d'interrogatoire de monsieur Kerno Abdoulaye Barry. Au septième jour, le capitaine Pivi est arrivé selon le commandant du bataillon, leur ordonnant de ne laisser sortir personne car notre situation relevait de la présidence. Anara capitaine Pivi n'a pas anara mba wona ka mikiyo ben ba ira faire afasa kiri mangata na nova présidence. Pivi m'a fait l'entendre. Non, ça c'est pas, ça ne serait pas été dit devant moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Paul Mansa Gilavogui. Maître. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Ok. Nous allons citer vos activités ou bien votre présence pendant le mois de septembre 2009. Septembre 2009, à Wangafa. On va commencer par votre accident à Kankan. Accident à Kankan. C'était à quelle date? J'ai oublié. Vous avez oublié? C'était au début du mois de septembre ou bien? Septembre, Fole, Nara, Kamonse. Agolo, Ntan, Mogarangi. Je ne peux pas compter le mois comme ceux qui ont été les souris le font. Je compte. Chaque mois qui finit, c'est le début de mois que je compte. Votre accident, c'est avant les événements du 28 septembre ou bien c'est après? L'accident. Ben accident, il accident. Ben 28 Taraba, ka 28 Barana, ref accident là-bas. Moi j'ai fait un accident, on ne pensait même pas que le 28 arrivait. Moi je suis venu ici maintenant. Voilà. Donc c'est avant le 28 septembre, n'est-ce pas? Ben 28 septembre, il y a un accident là-bas. 28 septembre là-bas, ben 28 septembre là-bas, il y a un accident là-bas, il y a un accident là-bas. Moi avant 28 septembre, j'avais fait l'accident, j'ai été évacué ici. Mon évacuation Bouma. C'est au cours de l'évacuation là. Maintenant, on va s'en aller là-bas, on va s'en aller.
comment je peux dire, m'fa orienter folo menne sur m'fa moi na na. C'est à partir de ça que je commence à m'orienter. S'orienter où? Y orienter minde. C'est que m'bouger moi na ma quand m'fa Conakry. D'accord. Nanam falafi. Lorsque vous êtes venu. J'ai bougé à Kankan pour Conakry. Lorsque vous êtes venu à l'occasion de l'accident, vous y êtes resté combien de temps? Il doit faire un accident, oui. À Conakry. Qui est là-bas, Conakry? Mou qui est là-bas, Namadi. Je n'ai pas fait deux mois pour ça. Hein. Trois semaines, tout. Trois semaines environ. Trois semaines. Est-ce que vous étiez reparti avant les événements ou bien les événements ont trouvé que vous étiez là? Est-ce qu'on est bien le 28 Rabat, car 28 il est René? Nous n'avons le 25. J'étais là jusqu'au 25. Le 5. Le 5 du moins. Ah. Le 5 de quel mois? Septembre. Septembre. 5 septembre. 28 septembre. Oui, septembre. Le 5. J'ai quitté le 5. Pour aller chercher mon bulletin, comment je peux travailler à Makambo? D'accord. Lorsque vous êtes parti pour chercher votre papier, vous avez fait combien de temps à Kankan? Parce que c'était juste pour chercher le papier et revenir. Est-ce que vous avez été à Kankan? Est-ce que vous avez été à Kankan? Tout ce que quand je suis parti, je suis commandant de compagnie. J'ai vu mon commandant de compagnie. Je l'ai expliqué. Maintenant, effectif tout. Il dit, faut aller voir l'effectif. Effectif en tout. Je suis parti voir l'effectif. Maintenant, lui m'a dit qu'il va essayer de voir jusqu'à l'arrivée des commandants, l'officier adjoint. Lui va voir jusqu'à l'arrivée de l'officier adjoint. Maintenant, on s'est arrêté là-bas. Je suis resté là-bas, il y a eu le problème de 28 septembre, moi j'étais là-bas. Maintenant, tu as mon bulletin, moi je suis sur le Tongo. Quand j'ai pris le bulletin, j'ai pris la solde. Non, Guru Kirina. Je suis descendu. Bougé le premier. J'ai bougé là-bas le premier. Non, subi le 2. Je suis arrivé le 2. Donc, vous êtes arrivé à Conakry le 2 octobre. 2 octobre, rien. Nakina là. Oui, c'est comme ça. Et vous êtes parti directement au camp Kundara. Si vous voulez, je peux employer Kundara parce qu'il me semble que Makambo ne vous est pas très familier. Ah, parce que ara Kundara fi fala parce que wo mudar Makambo fi ra bi. Ah, ya ko muta kan Kundara glina ko Makambo wa fa na ni na ngli sa roma. Ouais, le nom c'était Kan Kundara, c'est après la mort de Makambo qu'ils ont mis le nom Makambo. Voilà. Donc vous êtes arrivé directement au Kan Kundara à partir du 2 octobre, n'est-ce pas? Ina fa Kundara 2 octobre ni. Ah. Oui. Très bien. En ce moment, qui était le patron de Kundara? C'était Bégré. Vous avez dit ici, excusez-moi de le répéter, que vous étiez un peu indiscipliné. Bégré, j'ai compris, je rappelle c'est seulement. C'est pas une injure, c'est notre mot de passe. C'est pas, ce n'est pas des injures pour nous, ça. Non, c'était notre mot de passe. Ok. Bégré aussi était plus indiscipliné que vous. Bégré a une discipline dans Gifana. Parce que, n'a pas la moufira. Pourquoi je le dis? Maman Gena la Kirin. Il est mon chef. Nous avons compris ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres indisciplinés aussi, à part Bégré et vous, à Kundara? Bégré, il y a indiscipliné avec Bégré et vous. Adé? Non. Donc, c'était vous deux qui étiez indisciplinés? Vous avez fait une indiscipliné. Moi, je ne suis pas indiscipliné. Je suis indiscipliné d'un de mes chefs. Je ne suis pas indiscipliné voilà, n'importe parce qui. Que vous insistez je trop sur je ne suis pas indiscipliné des autres. Je ne sais autres. Pas pourquoi. Je suis indiscipliné de mes chefs. Voilà. D'accord. Yeah. Pas de problème. Est-ce que dans un camp militaire où on retrouve des hommes de César, s'il y a eu des tortures, est-ce qu'on n'est pas fondé à les accuser? Anaka namir modèle na kan na kankira torture raba est-ce que wo mouné to nyanga maré ntando na mi mouna ntana. Moi je ne suis pas cette personne là. Vous n'avez pas torturé Monsieur Gilavogui, s'il n'a pas torturé, arrêtez-moi torture là-bas. Jamais. Non. Mais on a torturé devant vous. On aimerait torturer les Yaouri.
Nathan Colon. Oui, ça, je sais ça. Quels sont ceux qui ont torturé devant Dès vous? Je n'aimerais torturer. Bégré. Non, voilà, Bégré. Je vous dis. Seul. À Kéren. Qui commandait? Non, Bégré ne commande ça. C'est Bégré qui commandait. J'ai eu des problèmes. Le jour où je suis intercédé, c'est ce jour-là que j'ai eu des problèmes. Est-ce que, tel que vous décrivez Bégré, on pouvait refuser ses instructions? Est-ce que Bégré a fait falloir qu'il n'aurait? Est-ce que Mérine n'a pas ton idée? Aura ordre respecté. Tondi façon go mangaira sans que ma fala ben tondi. Il y a plusieurs façons de refuser sans vous dire sans de dire non je ne le fais pas. Il y a beaucoup de façons pour le faire. Les hommes qui étaient à Kundara, est-ce qu'ils pouvaient refuser les ordres de Bégré? Azemina est à Kundara, est-ce que non ma tinde ira tondi Bégré ga ya mori da ba de ra ordre? Non. Non. Et vous étiez à Kundara, n'est-ce pas? Et va nous à Kundara né. Ça veut dire que vous-même, vous ne pouviez pas refuser les ordres de Bégré. Non, 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 qui va y être Bégré ordre sur Imunoma, Imunoma Tundide. Bégré Mounoma ordre sur l'intangira son nom. Bégré ne pouvait pas donner de l'ordre à moi maintenant. Parce que mon occasion, finalement. Parce que je ne l'avais pas donné l'occasion. À en approcher. De m'approcher. Qui commandait le camp? C'est pas Bégré. Attendant qu'un commandement. C'est lui? Est-ce que vous n'apparteniez pas au camp Kundara? Si vous refusez ces ordres, est-ce que c'était possible de rester au camp? Est-ce que vous avez dit 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 que vous avez jamais su. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Pourquoi je dis que je peux refuser sans le dire? Détenez-nous quand vous avez dit prisonnier, vous avez dit que Quand je sais qu'ils ont envoyé des détenus, moi je ne m'approche pas de là-bas. Paul fait ça, non. C'est pour ne pas qu'il dit Paul fait ça, je ne m'approche, je l'approche même pas. Non, le manama, complètement. Pour cela, je quitte complètement. Mais vous étiez identifié, n'est-ce pas? Akona inu kolongena. Kolongu yachi. J'étais connu là-bas. Votre présence était connue. Et afala fe itana na na fanu kolongu. C'est ce que je vous dis comme ça. Est-ce que c'était possible dans ce cas de rester là-bas sans recevoir des ordres? Ah, puis non, Maloudé na, il m'a ordonné soi. Ah, des noms là-bas m'a dit. Non, ça ne fait pas ça. C'était possible de rester sans recevoir des ordres. Est-ce que non, Maloudé na, il m'a ordonné soi. Ordre fut mon subordonné ma ratirié. Vous ordonnez un subordonné s'il est devant vous. Ou bien Arli, ou bien Mirikama. Ou vous envoyez quelqu'un l'appeler. Voilà. Est-ce qu'il y avait des rassemblements régulièrement? Est-ce que rassemblement n'a pas mal à l'air bini? Tous les matins, il y a le rassemblement. Est-ce que vous ne receviez pas des ordres pendant le rassemblement? Rassemblement l'air, est-ce que mon ordre est sur ma voie humaine? Garde planifié d'ailleurs. Si on ne planifie un garde, c'est fini. Vous? On vous a planifié combien de fois? Et tu as planifié ça n'yaire. Ndambati sentinelle mais nous na grade sergent chef. Moi quand je suis parti au sentinelle, j'étais au grade sergent chef. Non, au rassemblement. À rassemblement. Vous n'avez jamais été planifié? Et va planifier rassemblement. Pendant tout le temps que vous étiez à Kundara. Mais vous planifiez ma rassemblement dit. C'est pas au rassemblement qu'on planifie. Rassemblement. Oh, madame Dinana, vous faites un rassemblement. Rassemblement, c'est un regroupement, comme on le dit. Ah. Oui, j'ai demandé si on ne donnait pas des ordres pendant le rassemblement. Ah, vous avez dit oui. Ordre n'a fait mon mani, c'est pour planifier la garde. Il t'a bien, il t'a fait que ça a crié dans ma tengue, mais il a bien, L'ordre qu'on donne là-bas, c'est pour faire la planification. Telle personne qui est là, Justement. La planification dont vous parlez, vous avez été planifié combien de fois? Une planification dans la famille, il était planifié, mais il s'en y a. Dans mon thème, garde la Bibira, parce que nous sommes à Moi, je ne montais pas de garde beaucoup parce que je suis à Sangoya. Oui, beaucoup, mais un peu quand même. En déditant, il est planifié. Combien de fois? Une fois, deux fois, cinq fois? Dans ma garde Tongo, je ne sais pas si je suis garde Tongo. Je dis, je ne peux pas dire que je n'ai pas pris garde là-bas. J'ai pris garde là-bas. Mais mon homme a fallu dire 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. Je ne peux pas dire 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. Mais quand même, c'est plusieurs fois.
sous-officier nanana. Je suis un sous-officier. Sous-officier subalterne nanana. Sous-officier subalterne. Voilà. D'accord. En votre qualité de chauffeur, on vous a envoyé combien de fois en mission? Depuis que je suis rentré à Conakry, je ne suis jamais sorti de Conakry en matière de mission. Je ne dis pas que je n'ai pas été à Kankan. En réalité, qu'est-ce que vous faisiez alors au Kankundara? Vous êtes chauffeur, vous n'êtes jamais parti en mission, vous n'avez pas été planifié. Quel était votre travail, votre mission au Kankundara? Je suis chauffeur à Kankundara. Je ne suis pas chauffeur à Kankundara. Je suis chauffeur. Je suis chauffeur. Permis j'ai mon permis. Mais il fallait faire une mission. Je n'ai jamais fait une mission. Mission je ne faisais pas de mission. Votre activité principale à Kankundara, c'était quoi? Au Kankundara. C'est pour prendre sentinelle. Complètement défectif. Sentinelle, complètement défectif. Subordonné, simple. Subordonné. C'est à cause de ça que vous avez quitté votre unité d'origine. Vous êtes venu là-bas volontairement. Je n'avais pas ce programme-là. Si je n'avais pas fait l'accident, je n'avais pas l'intention de venir ici. J'ai été évacué. Comme vous avez trouvé qu'il n'y avait que ça à faire, pourquoi vous n'êtes pas reparti? Je ne pouvais pas me retourner. Je suis obligé de décider que nous avons fait des femmes définitivement. J'avais décidé mon objectif de travailler. Nanana. Mon objectif, c'était d'envoyer mes papiers pour travailler de façon définitive. Qu'est-ce que vous aviez fait à Kankam pour ne pas vouloir repartir? Je n'ai pas refusé de retourner. Chef d'état-major Nahouramini. Le chef d'état-major qui a fait. On a tous les éléments unités différentes. Biringaskara unité. Tous les éléments de unités différentes. Tout le monde n'a qu'à aller. Donc on a mais une opportunité fini par aviation mini. Quand j'ai appris ça, c'est Dieu m'a donné l'occasion. Moi aussi, je suis parti à l'aviation là-bas. Sinon, moi aussi, je pouvais rejoindre mes amis à la Sirété. Ce matin, vous avez parlé de MLS. Vous étiez caché là-bas. Vous avez vu à partir de votre lieu, vous avez observé des choses horribles, n'est-ce pas? Anaka a guessé que il MLS. Ah, c'était la nuit. Parce oui, que mais c'est ce matin que vous l'avez déclaré. C'est la nuit parce que la nuit on met barrage. Barrage dans le Sahara. D'accord. Et ton giri, ton bon akwera, ton sou, ton sou palene, palene biline. Quand on m'a pris, quand j'ai fui. De Tombo, je suis parti vers le palais. Voilà, on va faire MLS en je suis venu derrière MLS. Ce que vous avez constaté de horrible, c'était quoi? À la rabbin Sarifi. Que Dieu paye tout le monde. Nous voulons faire là. Si je mens, que Dieu ne me fait pas retrouver mes enfants ce jour-là. Presque fermé, je ne pouvais même pas avaler les crachats. Qu'est-ce que vous avez vu? Sorry, les militaires. Ils tiraient sur la route. Est-ce qu'ils tiraient sur les gens? Les éléments de Makambo. Mon frère, tu as des problèmes. D'autres militaires, ils peuvent laisser. Mais si vous travaillez à Makambo, ça, vous avez des problèmes. Pour eux, c'est vous qui avez tiré sur le président. D'accord. Vous avez dit également, lorsqu'on vous a arrêté pour la première fois, vous avez informé votre épouse, n'est-ce pas? Je dis,
Quand Dieu m'a donné la route, c'est en ce moment que j'ai appelé ma vie à l'aviation. Moi je suis arrivé à la route. Prends les lorsque enfants, vous moi. L'avez informé, selon vous, il a déclaré, qu'est-ce que vous avez fait encore? Ma femme m'a pas demandé pourquoi. C'est ce que vous avez dit ici ce matin. J'ai dit à ma femme que je suis sorti. La manière dont je suis sorti, je ne l'ai pas expliqué. Ça. Arrivé à Cancan, à ton lina solon, il m'a trouvé là. Donc, on était parti chercher nos cendres. Avant d'arriver, ils avaient envoyé nos amis à la sûreté. C'est comme ça que je me suis déplacé ici. Je suis arrivé à Cancan. Quel que soit le temps et le lieu, quand est-ce elle vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait encore? Qu'est-ce que tu as fait encore? Ça s'est passé, on était à Cancan. Donc, qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire pour qu'elle s'étonne? Il n'est pas l'habitude de faire le rien. Vous avez informé à votre épouse que vous a arrêté. Elle a déclaré, qu'est-ce que tu as fait encore? Ma femme ne peut rien faire. Elle m'a abandonné. C'est ce qu'elle peut faire. C'est fini. D'accord. Vous pouvez ne pas répondre à la question. Lorsque vous êtes venu au camp Kundara, vous étiez sergent. Il va à camp Kundara, sergent Nanila. Nous, la sergent. Oui. Votre grade? Un grade. Nous, la sergent. J'étais sergent. Sergent. Vous êtes passé au grade supérieur à quelle époque? À quelle période? Il y a un grade où commence à l'air. Nous n'avons pas un grand sergent-chef. Dadis n'a pas un grand sergent. C'est Dadis qui nous a fait partie. Je suis parti à sergent-chef. À quelle date? Ouati Mundo. Dadis a le pouvoir de moi. Le pouvoir de Dadis? Il a donné un pas à tous les militaires. Mais, monsieur Guilavogué, je ne vous comprends pas. Vous êtes venu au camp Kundara avec grade de sergent. Vous dites que vous êtes venu là-bas seulement le 2 octobre. Il va en 2 octobre, rien. Je suis 2 octobre Kundara. Je ne suis pas venu 2 octobre à Kundara. Septembre, vous n'étiez pas là, vous étiez à Cancan. Septembre, mon nana. Vous avez bougé le dé, le premier, pour venir le dé. Nous avons bougé le premier Cancan, nous avons sauvé le deux. Le dé, vous avez bougé le premier Cancan, je suis arrivé ici. Nous avons sauvé le deux. Moi, je suis à Cancan, nous avons bougé le lendemain, nous avons présenté Cancan. Je ne suis pas parti le jour, le même, le dé là, je suis parti à la maison. C'est le lendemain. Même si c'est une semaine après, mais vous étiez sergent. Oui, j'étais sergent. Voilà. Vous avez obtenu le grade de sergent-chef quand? Et grade sergent-chef. Après combien de temps? Après combien de séjours au camp Kundara? Nous sommes à Conakry, nous la grade sergent. Quand je suis rentré à Conakry, j'étais grade. Nous sommes à Makambo, nous la grade sergent. J'ai commencé à travailler à Makambo, j'avais les grades sergent. Le président un pas dans la fina qui n'en a pas dit sergent chef. Le président a donné un pas, c'est ce qui m'a fait passer sergent chef. Grade adjudant en Konaté n'en a soigné là. Nous n'en a pas. Adjudant, c'est Konaté qui nous a donné ça. D'accord. Le grade que le monsieur Dadis vous a donné, est-ce que c'était à titre de récompense? On a Dadis grade dans la fina, mais on a récompensé. Mais il est chef? C'est le militaire qui l'a gradé, ce n'est pas une personne. Hein. Oui, mais particulièrement vous. Pour le service rendu, n'est-ce pas? Fongoule Fala. À moi ce que je demande. Hein. N'est-ce pas? Fongoule Fala. D'accord. Est-ce que vous partiez souvent au camp Alpha Yaya? Est-ce que vous partiez au camp Alpha Yaya? Il est au camp Alpha Yaya. Non, je vais pas au camp Alpha Yaya. Pourtant, le siège du CNDD, c'était au camp Alpha Yaya. CNDD a siège Alpha Yaya.
le siège du CND ne se trouve pas au Calfa. C'était où? Je n'allais pas au siège. Makamboulin. Moi, je suis à Makambo. Mais pourquoi on vous a sanctionné à Kankan? Vous avez dit que c'est parce que vous êtes parti au CNDD. C'est pas personne qui m'a impliqué dans l'affaire. Pour attester que septembre m'a trouvé à Kankan. Voilà, donc à Dengue, c'est comme ça. Je n'accuse personne. Il y a un problème que je comprends. Moi, je me suis retrouvé dans ça. Que je comprends, c'est dans les auditions que je suis maintenant ici. D'accord. Dans votre procès verbal, vous dites que Begré et ses hommes, commandant Toumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous le maintenez? Quand je dis que ceux-là ils étaient au stade, c'est peut-être je vais les accuser. Je n'ai pas été, ça ne s'est pas passé devant moi. Mais ça se retrouve dans votre procès verbal, devant le pôle des juges d'instruction. Comment vous avez su qu'ils étaient au stade? Comment vous avez su que commandant Toumba et Begré étaient au stade? Je n'ai pas échangé avec quelqu'un. Le 28 septembre, me trouve à Kankan. Qu'est-ce que je peux dire du 28 septembre à Conakry? Votre procès verbal en fait foi. Le procès verbal n'a qu'un ancien. N'est-ce pas? Vous avez approuvé le contenu du procès verbal. Ce dont je suis responsable, dès que vous déclarez ça, j'accepte. Est-ce que vous n'étiez pas un fidèle parmi les fidèles de Begré? Vous savez comment Begré et mon comportement, je ne pouvais pas conjuguer le même verbe. Begré est arrogant, moi aussi je ne pardonne pas. J'ai en tête, je suis plus ancien que lui dans l'armée. N'avait gradement, parce que j'étais sergent-chef, il était sergent. Bon, et puis j'étais plus gradé que lui. J'étais sergent-chef, lui il était sergent. Voilà. Bon, n'a fait que donc en loin de Falambe, mon grade à Matoumadi, ça m'a tout mané, signé au choix, belle armée, n'avait grade, mais à tout fin à mon mangerago. Bon, quand tu fais des choses, quand tu parles des choses, je le regarde. C'est pas c'est la responsabilité là que je regarde, mais je vois que je suis plus ancien que lui dans l'armée et je suis plus gradé que lui. Malgré tout, vous avez choisi de venir rester sous ses ordres au camp Kundara, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire que vous avez quelque chose en commun, n'est-ce pas? Rien, n'avait rien de commun. Vous avez choisi de venir rester sous ses ordres gratuitement. Donc il va en Kundara, n'tana a décidé. Kundara, c'est moi qui ai décidé. Quand j'ai pris mes soins, est-ce qu'il y a une raison, justement, c'est ce que nous voulons savoir pour le tribunal. Est-ce qu'il y a une raison qui a fait que vous avez choisi Kundara? Est-ce que Nara Kelly et Kundara choisissent? Moi, je ne connais pas les raisons. Mara Kelly, maman. En tout cas, c'était pas quand même pour faire du mal. D'accord. Le tribunal.
ont apprécié. Les tortures, monsieur Guilavogui, est-ce que vous n'avez pas participé aux tortures? Est-ce que les tortures, ils m'ont yama? Non, je ne faisais pas partie. Vous avez déclaré ici que lorsqu'on vous a radié, on a repris l'arme. C'était quelle sorte d'arme? Inaka ay tu radia fingari mune masibo se yo munne masibo mode fingari model mundunne sorry nous sorry force et dotation souvent là. Quand vous intégrez l'armée, le militaire forcé, on va vous doter une retraite et arrondi. Quand vous allez en retraite, vous rendez une radié et arrondi. Si vous êtes radié, vous rendez. Donc nanankulu, c'est ce que vous avez rendu l'arme à Conakry ou bien à Kankan? Et ça fingari soyi la Kankan ne ka Conakry. Parce que moi je n'avais même pas venu avec mon arme ici parce que c'est les gens de Kankan qui m'ont remis, je ne pouvais pas venir avec. Est-ce que vous avez fait usage de cette arme? Est-ce que vous avez fait usage de cette arme? Dans la frontière. Moi je suis à la frontière. J'étais à la frontière. Non, je ne parle pas de la frontière. Je parle de Conakry, des événements du 28 septembre. Ah, 28 septembre. Et les jours suivants. Ah, 28 septembre, Kambire, na Finkari Boulard. Finkari na Kankan, na Conakry, na Boulamadi. Le fusil qui se trouve à Kankan, moi je suis à Conakry. Comment je peux tirer ça? Parce que vous avez choisi d'être à Conakry. Parce que Ibara Sugandira, le Conakry. Monsieur Guilavogui, maître. Et si les témoins. Et les confrontations prouvent que vous étiez au stade. Ara cede fabi et na cede nyoa ba en na stade. Qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Nous sommes encore en tribunal. On a mangé na yaki. Nous sommes devant une autorité. S'il s'avère que vous étiez au stade du 28 septembre. Ara sali na 28 septembre. Le tribunal n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Le tribunal fera ce qu'il doit faire. D'accord. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Monsieur Mansa Guilavogui, Paul Mansa Guilavogui. Bien. Au moment où vous avez subi l'accident, vous étiez en service à Kankan. Et accident sur l'air, n'a pas service Kankanien. Non, service Kankan. Oui. Bien. Quelle partie du corps qui a été endommagée à la suite de cet accident? C'est le pied là. C'est le pied. Bien. Vous avez été reçu au niveau de quel hôpital à Kankan? Et quand l'aptan Mundou? Moi je n'ai pas été à l'hôpital, c'est ma maman qui a soigné mes plaies. C'est ma maman qui traite toutes les plaies de ces enfants là. Vous avez dit que vous avez été évacué. Il n'a rien évacué. J'ai été évacué. Oui, j'ai été sous évacué. Sous l'ordre de qui? Ndera ordre Bouma. Kelfa Diallo. Kelfa Diallo. Kelfa Diallo, c'est un médecin. Ah, docteur dans Kelfa. Elle est commandant, coma zone de Kankan. C'était le coma zone de Kankan. Oui, mais il ne vous a pas muté à Conakry à la suite du service. C'est à la suite de l'accident. Conakry a évacué. Attends, mon affecté que Bédi. C'est pas lui qui m'a affecté ici. N'tafoulane, n'a. Évacuation signée. Je dis que c'est lui qui a signé le papier d'évacuation. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis venu à Conakry. Vous avez été blessé à la suite de l'accident. Et moi, on a accident. Ah, nous, qu'elle fait ma paix. On va faire chauffer Kankan. Oui, oui. Donc, vous avez quitté aussitôt le lieu de l'accident. Vous êtes rendu chez vous à la maison. Et toi, quel accident tu as fait? Il n'y a pas fait. Accident n'a pas fait Kankan. Qu'elle fait ma poste, ma paix. J'ai quitté le PA. PA n'est là, il fallait m'en appeler Fandanda. Il y a un PA qu'on dit Fandanda. Entre Mali et la Guinée. Entre le Mali et la Guinée. Nous servions maintenant. Nous servions là-bas. Donc, l'accident là-bas, Mamoutou n'a pas fait. Il m'a fait Kankan. De Fandanda, le Fora. Kankan, c'est là-bas où j'ai fait l'accident. Nous faisons Mamali dans le Fora. J'étais venu chercher mon riz que je devrais manger en brousse là-bas. Donc, nous faisons l'accident là-bas. C'est dans ça que j'ai fait l'accident. Un accident qui nécessite une évacuation ne doit pas être constaté par un médecin.
après accident nga sali mais il va qui faut docteur nga falagne papier d'évacuation na magorengne akutum pour faciliter la tâche. J'ai demandé un papier d'évacuation pour faciliter la tâche. Alkona falambe déserteur pour ne pas qu'on me qualifie de déserteur. C'est pour cela que j'ai demandé ce papier. Oui, mais le responsable qui vous a donné le titre d'évacuation, selon vous, devrait constater d'abord un papier médical par rapport à votre accident. Force il ramona ce n'est pas forcé. Afala fi fu docteur nangi dandan. Faut dire que sauf c'est le docteur qui c'est suffit seulement que bari tang évacué. Dieu t'a donné la chance, tu as eu des papiers d'évacuation. Non, l'essentiel est que si Dieu te donne la chance. Vous avez un papier d'évacuation. Vous savez que Cancan est une très grande ville. Après Conakry, c'est Cancan. Si une plaie ou un accident ne peut pas être soigné à Cancan, sauf Conakry, vous ne pensez pas que c'est un médecin qui devrait constater cela? Anara, à Cancan, Tahoumbe Nara, Conakry, Banara, Inamon, Ara Fina Munoma Dandandi Cancan, appelé docteur Ramoulam Manafala. Ntafala Fina Manafa Conakry. Vous savez pourquoi j'ai demandé de venir à Conakry? Ma question, il faut la répondre. Je ne demande pas pourquoi vous avez demandé de venir à Conakry. Cancan est une grande ville après Conakry. Un accident qui nécessite le traitement à Conakry ne doit pas être constaté par un médecin avant d'être à Conakry. Est-ce que docteur Ramuna Matouma? Docteur Nanda Matouma, mais docteur Muntangbe Matouli. Si le docteur qui regarde ça, mais pour moi, pour mon cas, ce n'est pas le docteur qui a regardé. Hein. Bien, est-ce que cette thèse d'accident même est une vérité? Est-ce que puisque nous n'avons aucun document, rien ne justifie cela. Dieu jugera après. Vous êtes devant les hommes. Nous voulons voir la vérité. Dites-nous la vérité par rapport à cet accident. Est-ce qu'il a existé même? Est-ce qu'il y a un accident à mon âge, rien ne me permet de mentir ici. Si j'avais pas fait l'accident, j'allais dire que j'ai pas fait l'accident. Vous avez cassé le pied? Non. Qu'est-ce qui a été endommagé réellement? Non, c'est pas la peine de nous montrer ce qui a été endommagé. Regardez ici. Nous ne sommes pas des médecins pour constater ça. Docteur Mara Hamato. Il n'y a pas de docteur Mara, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Qu'est-ce qui nécessitait votre évacuation à Conakry? Avec Moussa, il faut faire à Conakry, nous. La réponse. Moi, la réponse fidèle. Je ne peux pas vous répondre pour ça. Le tribunal appréciera. Lorsque vous êtes venu à Conakry, avec le titre de votre chef, quel hôpital vous a reçu? Moi, je me suis traité à la maison. L'hôpital Mundu il reçoit. Je me suis traité à la maison. Ah, donc, vous faites un accident grave qui nécessite l'évacuation à Conakry. C'est à la maison chez vous, votre maman dit qu'il faut aller à Conakry. Vous arrivez aussi à Conakry avec un titre de voyage, de permission de votre chef. Vous rentrez encore à la maison à Conakry pour être traité. Ah, et tant que le Cancan. Ma ronendema et évacuation qui est dit Mouska Laptani ingana manna danda bangi. Mouska Laptani, j'ai été à ma maison. Monsieur Guilamougui, maître, vous faites disparaître la thèse de l'accident par rapport aux réponses que vous donnez ici maintenant là. Vous voyez? Ana waye baranye accident fietanyang ibaranaralwe waye na gamfala feiki. Il n'y a aucune trace de vos blessures, des traces médicales par rapport à votre accident. Ah, fatine de yomunema, nanda masengi, nanda ndangi, et accident fema. Ah, fatine yomunama. Fati, fifori. Fifori alodi dawi. Bon, les traces comme comment? Les traces au niveau de votre corps, mais aussi les traces médicaux dans les papiers, constatées par un médecin. Il n'y a rien. Ah, c'est mona. Je ne sais rien. Très bien. Monsieur Guilavogui. Maître. Est-ce que vous détenez le titre de permission que vous avez obtenu? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que
et la permission qui est dit à Ranei. Ma permission qui est dit, ma permission qui est dit, ma bilitaine du soldat, à Birina Namourira, Mouhawa en fait de Naraiki. Le titre de permission et les papiers aussi pour les soldes, tout est détenu par Namourira, là où je suis. Bien. Est-ce que vous pouvez nous les produire ici pour que nous lisions? Je ne peux pas, comment je vais le faire? Je ne peux pas, comment je vais le faire? Mon père qui faisait les démarches là, lui il est mort. Si mon père vivait, qui allait faire les démarches là? Monsieur Guilavoui, une fois encore, donc cette histoire de titre, de permission, également disparaît. On ne peut pas retrouver ce titre également. On a permission fait fan, on a fait barre fitan, on a fait mon assonon. N'est-ce pas? Agne. Allô-y. Comment? On ne retrouve aucun document, aucune trace par rapport à ce titre de permission dont vous faites allusion. Vous ne pouvez pas le produire ici. Et il n'existe nulle part. Qu'en dites-vous? Erdi. Si vous dites ça, moi je ne peux pas vous dire ça, ça n'engage que moi. Très bien. Ce sont des thèses inventées, mais est-ce que vous pensez que ça ne peut pas passer devant nous ici? Moi je ne peux pas inventer des choses ici. Très bien. Monsieur Guilavogui. Maître. Votre arrivée à Conakry ici n'a pas été constatée par aucun document ni par aucun motif qui soit justifié. Conakry, quel yomu nama? C'est un des yomas à falloir faire en Conakry. On est d'accord maintenant pour ça. En avant là, qui n'a pas fait de baratindama. Si vous parlez comme ça, je veux dire ainsi. Oui. Merci beaucoup. Ça c'est une très bonne réponse. Ayabi fani nanaki. Maintenant, votre retour à Cancan pour aller récupérer, selon vous, un document appelé CCP était dû à quoi? Ah, il me fait Cancan. Il y a qui a dit tongue na ma CCP. Nata na ba musema. Bon, na CCP na naki. Ce CCP là. C'était dû à quoi? Pourquoi vous êtes reparti prendre le CCP? Moi, ben, on a expliqué fille. C'est ce que je veux vous expliquer. Oui, allez-y. Je ne peux pas rester à Makambo, les sols se trouvent à Cancan. C'est pour transférer ça. Où se trouve le CCP là en question? Le CCP là. C'est à Cancan. Je n'ai pas envoyé. C'est un problème. Ils m'ont mis dans le problème. Monsieur Guilavogui. Maître. Sincèrement, moi, je pensais que vous auriez dû nous dire la vérité dans cette affaire. Que je vous dis comme ça, ce n'est pas du mensonge. Vous êtes reparti chercher le CCP. Vous dites que vous l'avez obtenu et vous êtes revenu à Conakry le 2 octobre. C'est pas ça? Et que le 28 septembre, vous a même pas trouvé à Conakry. C'est pas ça? Le 28 septembre, moi, libé. CCP n'a qui? N'a un bulletin de solde, papier d'évacuation et Kirimarali. CCP. Il n'a confondu dit. De solde et papier d'évacuation, c'est pas le, c'est et pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Ne mélangeons pas les choses. Je suis avec le CCP. Attends. Vous êtes allé récupérer le CCP, puisque selon vous, vous êtes quand vous êtes venu à Conakry, vous êtes orienté au camp Makambo. C'est pas cela? Moi je n'ai pas pris CCP. Si j'avais pris le CCP, je suis venu avec. Nous, je n'allais pas me retourner là-bas encore. C'était à Makambo. Parce que bébé fini mainité na nanaki sono. Avec quel document? Avec quel document votre service de Cancan a confirmé votre arrivée au camp Makambo? Avec quel document? Document Mundouira service à Falafé. Puisque vous avez obligé Makambo. Votre service. Mon service Mufar Nadi. C'est pas mon service qui m'a envoyé là-bas. C'est pas votre service qui vous a envoyé là-bas. Mais votre service a reconnu que désormais
vous venez à Conakry pour rester au camp Koundara, oui ou non? Le service n'a reconnu et tout va faire Conakry, il va louer Makambone. Non, moi je n'avais pas l'esprit là. Monsieur Guilavogui. Maître. Qu'est-ce qui vous a envoyé au camp Koundara? Sur la base de quoi vous êtes arrivé au camp Koundara? Monsieur le Président. Je vais me mettre en l'aise. Qui veut se libérer. Le tribunal renvoie cette affaire pour la suite des débats. L'audience est levée.